Bonsoir. Bon, un exercice pas facile, mais je vais essayer. Voilà. Bon, déjà, je voudrais vous remercier à tous de regarder le site. Voilà, ça fait 2 mois qu'il existe et vous êtes très nombreux, environ 300, 400, 500 par jour. Il y a des pics à 800. Voilà, donc ça fait pas mal. Peut-être même plus, puisque ça, ce sont des visites uniques. Donc voilà, merci beaucoup à tous. C'est super sympa. Et je voulais profiter aussi de ce petit clip pour remercier tous les gens chez qui je suis allé cet hiver faire des trips. Donc ça a commencé au Brésil où j'avais organisé avec Christian, le propriétaire de la Poussada, un super séjour kite. Donc ça s'est bien passé. Il y a eu des super conditions. Bon, je pense que tout le monde s'est régalé. On a eu des vagues, du vent, voilà, il y a eu un bon séjour. Et on remet ça cet automne pour les gens motivés. Voilà, normalement, ça devrait bien se passer aussi. Voilà, ensuite, je suis. Donc, merci beaucoup à Christian, à Barra, c'était super. Voilà, ensuite, je suis rentré, je suis reparti au Panama. J'étais invité par Gilles au Panama, voilà, dans sa nouvelle Poussada. Là, vraiment, c'était un excellent séjour. Bon, on peut faire là-bas du kite, de la planche, se balader, Panama City, la cordillère, enfin, il y a plein de trucs à faire, la pêche, du kite, bien sûr, de la planche. Voilà, il a dû finir sa Poussada. Donc, je te remercie beaucoup, Gilles, sa femme aussi, Rosemary, qui est partie là-bas pour s'occuper de la Poussada et commencer. Je pense qu'elle doit être ouverte maintenant. J'espère qu'on pourra organiser des séjours. Et se régaler, voilà, c'est une multi-activité chez Gilles. Donc merci beaucoup à toi, Gilles. Ensuite, je suis rentré, je suis reparti en Guadeloupe. On avait prévu un séjour avec des amis, avec Christian et Yann. Bon, suite aux événements, ça s'est mal passé. Et je suis parti quand même, parti dans de bonnes conditions, mais arrivé dans des mauvaises conditions, puisqu'il y a eu barricades, fusillades. Sylvain, que je remercie beaucoup, est venu me chercher à l'aéroport qui était fermé. Il n'a pas pu rentrer chez lui. Donc c'était une grosse galère. Et j'ai pu être hébergé chez son frère, chez Fred et Gaël, qui m'ont hébergé donc 48 heures. Voilà, c'était un peu chaud, quoi. Difficile. C'était le moment le plus chaud en Guadeloupe. Il y a eu donc, c'était la soirée où il y a eu un mort, enfin bon, c'était vraiment chaud. Donc je suis resté 48 heures, je remercie beaucoup Fred et Gaël, et Sylvain encore plus, qui a pris des risques en venant me chercher. Voilà, donc merci à la famille Dupé, quoi. Et je suis parti donc à Saint-Martin, de Guadeloupe à Saint-Martin, chez Piaf, où là c'était très différent, on s'est vraiment régalé. Des sorties, du kite au taquet, spot de Tintamarre, spot du Galion, enfin beaucoup de naves, beaucoup de vent, des sorties, enfin la fête. Merci beaucoup à Piaf, merci à toi et au plaisir de te voir très bientôt cet été. Voilà, donc un super séjour, passe le bonjour aussi à tous les gens de Saint-Martin. Ensuite, je suis rentré et je suis reparti pour finir en Colombie. Donc là, c'était un vrai trip assez extraordinaire. On était peut-être les premiers à kiter là-bas avec Marco, Claude, son fils Thomas et Jean-Jacques, bien sûr. Voilà, là-bas, c'était. Donc je remercie tous les gens du village là où on était hébergés. Anna et Guy, Sandra, Alex qui nous a fait des repas, Alex, notre voisin. Un super séjour en Colombie où j'espère y revenir l'année prochaine. Un superbe pays. Voilà, les remerciements sont faits. Je me suis vraiment régalé cet hiver et donc j'ai construit ce site en rentrant. J'espère que ça va continuer à vous plaire. Voilà, bonne soirée et puis à bientôt. Ciao!